Salut à tous les amis, ici Fantornado, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie de Diego de la Vega ou Roberto. Non, comment il sait, le mec est... c'est Don Diego de la Vega. C'est celui qui est muet. Ah merde, oui, non, c'est Bernardo. Bernardo, voilà, Bernardo, compagnie de Bernardo Lennon qui a perdu son don du silence. Qu'est-ce qu'il nous fera des vacances. Oui, parce que moi, pour le coup, je m'apprêtais à fermer ma gueule. C'est peut-être une vieille référence, peut-être que les gens ne connaissent pas. Alors, exactement, Don Diego de la Vega. Il faut savoir que c'est l'identité secrète de Zorro, pour les jeunes qui ne connaissent pas. Et Bernardo, c'est son fidèle écuyer qui fait semblant d'être sourd, qui est muet. Non, il est... Ah, il fait semblant d'être sourd. Attends, non, il est pas sourd. Muet. Attends, il est muet, donc il ne parle pas. Mais il fait semblant d'être sourd, c'est-à-dire il fait passer pour un sourd muet, ce qui fait qu'il peut espionner les conversations de tout le monde et personne ne fait attention à lui. Les grands méchants ont les grandes conversations droit devant lui. Parce qu'il le considère à peu près aussi valide qu'un meuble. Voilà, c'est... Oh, et du coup, il court vers son maître, Don Diego de la Vega, et lui dit... Voilà. Ouais, mais c'est oui, exactement oui. Ça. C'est, j'ai l'impression de revoir la série, moi, sur FR3, hein, dis donc. Ah bah, j'ai fait des fapping sounds, là, avec mes mains, mais c'est parce qu'il parle pas, Bernardo. Il est vraiment muet, par contre. C'était des sons relativement familiers. Mais là, pour... Exactement. Mais là pour... Oui, voilà, c'est ça, fapping sounds. Mais là, pour le coup, je suis un peu Sleepy Hollow, je suis un petit peu le cavalier sans tête. Voilà, parce que voici Halloween, des citrouilles vont mourir de trouille. Par contre, je n'y vois absolument plus rien. Et j'ai plus de place. Est-ce que tu veux bien... Putain, mais... Alors, est-ce qu'on va faire un tour à la maison ou est-ce qu'on va directement au donjon Bonhomme de Neige là-bas? Moi, je suis pour aller dans le donjon. Alors bonhomme aujourd'hui, de neige. Il faut qu'on aille, chers amis, dans le donjon du Bonhomme de Neige pour aller buter Elsa. Voilà. Ah putain, c'est ça qui est bon. On va défoncer Allez, Elsa. Allez, Tornado, ne bouge pas. Quoique je suis sûr que parmi nos viewers, il y en a beaucoup qui aimeraient bien défoncer Elsa. Je vous laisse l'interpréter de toutes les manières possibles et imaginables. Allons-y. Alors moi, je n'ai pas vu. Je me dissocie totalement de ce genre de perversion. Il se dissocie, le mec. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait une connerie. Bah, je suis tombé dans le trou. Hein. Ah, waouh, où es-tu? Tombé dans le perdu. Trou. Je t'ai perdu. Il se dissocie alors que le mec me parlait de Lola Bunny avec des étoiles dans les yeux. C'est qui Lola? Mais non, pas Lola Bunny. N'importe quoi. Ouais. Calomnie. Non, trahison, Jessica Rabbit, calomnie. Ok. Mais Lola Bunny, non. Qui ça? Jessica Rabbit. Ah, Jessica Rabbit, oui. Mais en même temps, Jessica Rabbit, elle a été dessinée pour ça. Oui, mais non, mais on est d'accord. C'est un peu le but. C'est le fantasme de tous les petits enfants. D'ailleurs, ma posologie, la logique qui fait que Jessica Rabbit sorte où, avec... T'es parti où? Pardon? Je suis toujours au pied d'un espèce de grand arbre dans lequel il y a des lianes qui nous permettent de monter directement à l'étage du bonhomme de neige. À l'étage du bonhomme de neige. De neige, voilà, exactement. Et du coup, je te vois plus, donc n'hésite pas à une slash TP, je vois nos chevaux. Slash TP. Voilà. J'ai perdu le Lennon, déjà c'est le bordel, hein. Pouce donc, rouge, désabonne, voilà. Mais non, donc je pensais que Jessica Rabbit, si elle sort avec Roger Rabbit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux film, mais je vous invite vraiment à le voir. Par contre, ça a l'air d'être un dessin animé pour gosses, mais en fait, il faut savoir que le plot est un petit peu mature, c'est une enquête, c'est policier. C'est policier, façon de parler. De toute façon, quand t'es jeune, tu te rends pas compte que c'est mature. Moi, j'ai le souvenir jeune et j'ai gardé une vision très pure de... D'accord, bah honnêtement, moi je trouve ça plutôt intéressant de le regarder quand t'es plus vieux, parce que tu comprends tout le scénario policier. Et t'as vraiment l'impression, Burning Wooden Sword, épée en bois de flamme, ce qui est pas très intelligent. Mais du coup, honnêtement, tu comprends plus de choses à l'enquête, tu sais, pourquoi Acme est mort, comment ça s'est passé, tout ça. Et tout le scénario fait un sens. Voilà, tout le scénario fait un vrai sens, qui a été bien travaillé et tout. Et c'est juste un truc que tu sautes quand t'es gosse, que tu outrepasses, à tort, à mon humble avis, parce que ça ne fait que rajouter du piquant et du délice. Okay. On n'était pas du tout au bon endroit, monsieur Lennon. Moi, mais comment t'as fait pour passer? Ah, d'accord. Oh là là. Et les lianes. Bien joué. Non, mais j'ai zappé. C'est pas grave, ça arrive. Mais du coup, voilà. Et donc, moi, je pense que Jessica Rabbit, elle le dit dans le film. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle trouve à ce lapin? Qu'est-ce qu'elle trouve à pas à Bugs Bunny, à Roger. Qu'est-ce qu'elle trouve à Roger Rabbit? Il me fait rire. C'est déjà très, très, très valide. Oui. Mais je pense aussi, c'est peut-être parce que Roger est le seul à pas avoir de sentiments, pas avoir de sentiments sexuels constants envers Jessica. C'est peut-être le seul à pas la voir comme un objet en fait. Ouais, c'est ça.
Alors que tous les autres, ils ont du mal, quoi. Ils bloquent. Même le héros, même le héros de temps en temps, hein, d'ailleurs, paix à son âme. Ah, je lui ai parlé. Je suis content que vous soyez venu me voir. Prenez le compas magique de mon abdomen et suivez-le jusqu'à mon île. Je l'ai. Ok. C'est tout ? Ok, donc écoute, il y a sûrement un passage. Je suis un petit peu l'aiguille et l'aiguille me dit par là-bas. Ouais, alors gaffe. Gaffe. Est-ce qu'on pète la gueule à cet enfoiré ? Non, laisse-le. Non, laisse-le. Non, ah ! Oh, il me tue, il me étouffez-vous avec. Je vais avoir ton trésor. Choke on them. Gratuitement. Choke on them. Je sais pas comment ça a été traduit en français, choke on them. Une scène très violente d'un film de zombies d'ailleurs. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas ta culture, monsieur Lennon. C'est un vieux film de zombies dans lequel un des faux méchants du film de zombies se fait littéralement arracher le bide et toutes les entrailles et se fait manger par tous les zombies dans une scène extrêmement gore et graphique. Et à la bouche en sang, il les regarde et il leur dit « choke on them », c'est-à-dire « étouffez-vous avec ». Oh. Voilà, étouffez-vous dessus. En clair, étouffez-vous sur mes boyaux, quoi, bande d'enculés. Ouais. Et les zombies, par contre, se régalent. Bien sûr. Dis donc, j'ai oublié mon cheval. Le cheval, on donc, le reprend, tu sais où il est ? Ils sont là. Et je pensais donc à cette scène parce que tu lui tailladais le bide. Voilà, il y a là un cheval. Oh, comme des... Ok. Et l'autre, le cheval est là-bas. Je vais le prendre. Très bien, monsieur Lennon. Merci pour l'instant culture. Hein. On en apprend toujours des choses avec Fanta et Bob et c'est ça qui est cool. Je sais pas si c'est pas dans Evil Dead. C'est pas dans Evil Dead, je sais pas. J'ai pas vu Evil Dead, honte sur moi. Moi, personnellement, par contre, j'avais ce qui m'a extrêmement marqué, mais qui me faisait flipper alors que c'était extrêmement drôle, c'est Vampire, vous avez dit Vampire. Ah, est-ce que tu as la boussole ? Je suis la boussole. Très bien, je suis alors. Enfin, je ne vampire, suis pas vous avez dit Vampire ? La boussole, oui. Je suis Fanta. Mais je suis la boussole. Ah, moi, blague de merde. Outre tous les vampires twilightiens qui ont été issus de toute cette espèce de génération de petites pucelles en manque de gens qui brillent, personnellement, moi, les vampires, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup, bien sûr, il y a Bram Stoker, il y a Dracula. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien. Il y a le Nosferatu de Bram Stoker, Dracula de Bram Stoker. Ce bouquin, il est à lire. Le vieux film aussi, l'acting, la qualité de l'acting, mon cher Fanta, c'est un régal. Ça n'a rien à voir. Lequel, celui avec vrai théâtre, Christopher. Tout à fait, avec Christopher Lee, qui est jeune du coup. Oh là là, d'accord. Ah, je l'ai pas vu moi, monsieur. Par contre, moi, le bouquin, j'ai vachement aimé. Il est excellent. Mais sinon, pour l'idée, vas-y, pars Fanta, pars devant, je te suis. Voilà. Et pour l'idée, je disais donc, j'aime beaucoup, moi perso, la manière qu'ont les Japonais, pas forcément de voir leur vampire à eux, parce que forcément leur vampire, ils ont des vampires très différents, c'est des zombies, c'est des trucs chinois, des trucs comme ça, tu sais, c'est culture, mais de voir les vampires européens. C'est ce que veut dire nos vampires transylvaniens à nous. Soit ils font un truc qui est complètement bichy, c'est-à-dire qui est complètement, tu sais, c'est un homme avec un visage de femme qui est complètement beau en mode oh, it's cushy, tu vois, c'est complètement lisse, exempt de tout poil et stylé, tu vois, mais pas moche. Je suis pas sûr d'avoir la clé ou quelque chose du genre. Il t'a donné la boussole, faut l'ouvrir avec. Ah d'accord. Bon, je vais vider quand même ça c'est complètement inutile, les boules de neige, bah oui, les restes du snowman. You use the compass to open the chest. Bien joué. Vas-y. Oh putain, ça c'est du trésor. Il faut que je le montre. Ouais, mais je vois pas moi, donc... Ouais, bah je vais te donner le machin, tu vas regarder. Passe-moi le compass. Attends, il faut que je jette des choses. J'ai jeté le bucket. Oui, donc tu disais la vision qu'ont les Chinois des zombies. Les Japonais. Vampires, ouais. La vision qu'ont les Japonais des... Oh putain, effectivement. Alors, attends, je vais prendre toutes les émeraudes parce que j'ai déjà ça dans mon inventaire. Est-ce que tu as des émeraudes, toi, dans ton inventaire ? 14. Eh ben tiens, prends les miennes, comme ça, on peut cumuler... merde, attends. On peut cumuler des espaces d'inventaire plus facilement. Ah merde, c'est pas vrai, ça. Attends. Voilà, très bien. Donc déjà, ça fait une place d'inventaire. Alors, nous avons 3 lingots d'or... 3 lingots de fer, de la viandasse du pif. On a surtout des diams, ce qui est le plus important à mon humble avis, et des pommes d'or, ce qui est un bon trésor, oui. Ainsi qu'un gâteau. Très bien. Laisse-moi juste
6 enderperles, 2 steaks, du foin. Attends, je vais poser le gâteau. Nom, nom, nom. Voilà. Et enfin, il y a une pumpkin pie. Très bien, ça se mange. Du poulet. Très bien. Et surtout les pommes en or, en fait. Je crois que c'est ça le plus important. La question que je me pose, c'était un donjon qu'on devait faire et il ne donne ni de verstar ni bannière. Pas dit que ce soit un donjon. Peut-être il faudra y retourner pour voir s'il n'y a pas autre chose à faire là-bas. Ah, aucune idée. J'en ai foutre couille, aucune idée, je vais être sincère. Attends, tac, tac. Tiens, regarde, tu as de la place ? Oui, plein. Alors, voilà des pommes. Et puis, tiens, revoilà le compas et sers-toi de ce que tu trouves intéressant dans le merdier, du coup. Voilà. Alors, je trouve intéressant, en fait, rien. Rien du tout. Si, les flèches, parce que j'en ai pas assez. Et ça, machin. Le reste, ouais, ça reste quand même accessoire. On croule quand même sous la... Quoique, on croule pas vraiment sous la bouffe. Dans les trucs pas cuits, on va prendre les côtelettes. Voilà. Et on fera une cuisson autant que possible. Je vais retourner par là-bas, reprendre mon cheval, voir s'il y a moyen de reparler à ce bonhomme de neige. Oui, peut-être, hein, ça se trouve. C'est attends, ce parce faut. Que du coup, il indique quoi? Bah, il indique l'île, le compagnon. Ah non, maintenant, c'est plus le cas. Ah, eh ben écoute, je te suis. Roll, roll. Mais ça me paraît bizarre quand même. Non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. J'ai pété le truc. Ah, le sac. Non, mais ça me paraît bizarre. On a accompli le truc. Il y avait juste à aller chercher le trésor et puis c'est fini. Ouais, bah, on a ouvert le coffre et puis il s'est passé des choses, mais apparemment, ce n'était pas le trésor. Et t'as un cheval dans l'arbre. Mais si, c'était le trésor. Bah oui, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de Nether Star. Pour ah moi, bah c'est oui, pas un trésor, non, mais c'est, ouais. C'est pas le boss. Si, c'est le trésor, mais c'est pas le boss. Oui, c'est de la merde. Alors, t'es... Ok. Alors, suis donc le compas, allons-y. En route vers l'aventure. Alors attends, parce que ça se trouve, il y avait un chemin. Parce qu'il a dit, va à ma maison, il a pas dit, prends juste le coffre et barre-toi. Si, use the compass to open the chest. Et c'est tout. Oui, et follow it to my home island, c'est-à-dire mon île d'origine. Et c'était une île de neige, toute petite. D'accord. Je vais courir un peu, je vais voir s'il n'y a pas un... S'il y a un... Comment ça s'appelle un... Mais un, suivant un compas, bacon, mon cher. Un bacon. Tu crois? Bah oui, suis le compas. Ah, tu crois que le compas, il va continuer à nous emmener dans des aventures folles et incroyables? Bien sûr, il a changé de direction, c'est bien toi qui l'as dit, non? Ouais, mais pour moi, maintenant, il est débugué et puis il nous emmène à la maison. Ah, et effectivement, il nous emmène à la maison. Bon, bah, c'est une bonne chose, on va pouvoir en profiter pour... Mais il y a un bacon, carrément. Exactement. Et donc je disais, moi, dans l'absolu... Ah non, c'est nous qui avons mis un bacon. Oh là là, qu'est-ce que... Hey, pour la maison. Fantaboulet. Non, c'est très bien, ça nous régénera. Blood Mood has begun. Très bien. Pourquoi pas. Et effectivement, mon cher Fanta, dans les commentaires, ça n'arrêtait pas de le spammer. Tu as bel et bien jeté les... Oui, enfin, je m'en étais rendu compte quand même. Les blocs de construction et tout le bordel. Ce qui ça reste ressemble hilarant. À la colle. Ça ressemble à la cobble, déjà. Hein. Oui, déjà. Et puis on est riche. Exactement. Exactement. En plus, voilà, exact. Donc on pourra en racheter, on va en racheter plein et on va reposer un. Voilà, on a rien à faire. Dis donc, c'est encore plus loin par là-bas. Tu crois que c'est buggé à mort pour toujours? J'ai été toujours téléporté, que se passe-t-il? What? J'ai été téléporté, téléporte-toi sur moi. Voilà, j'ai été téléporté ici. Donc s'il n'y a pas une destinée manifeste, je ne sais pas ce qu'il y a. Very bizarre. Moins 30 levels pour plus 20. J'étais peinard à la maison en train de poser des objets et non, tout ceci est étrange. Ouais. Ceci est bien étrange. Ouais. Ah, bref. Ok, c'est pas grave. Je vais donc sauter. Alors, tu sais quoi? Je vais en profiter pour poser les barrières. La flotte. Eh bon. Les j'ai bannières, sauté. Pas les barrières, pardon. Voilà, j'ai sauté à côté dans la maison. Vas-y, pose les bannières. Et donc, je disais que j'aime beaucoup la manière qu'ont d'interpréter les Japonais de nos vampires transylvaniens à nous, quand ils les font pas complètement bichy à la comment ça s'appelle, à la Castlevania, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça. Mais justement, même dans Castlevania, c'est-à-dire, il y a toujours des pouvoirs complètement craqués, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, nos vampires, basiquement, un vampire, Fanta, ça fait quoi dans le lore, ça dans la légende? Ça mord le sang. Ça mord le cou pour te pomper le sang.
Voilà, ça, on est d'accord. Ça, ils ont tous ce point commun. On est d'accord. Sauf que le vampire japonais, lui, il va pas faire ça. Le vampire japonais, il aura une rangée de 150 salopes qui vont volontairement lui donner quelques gouttes de leur sang par jour et le gars, il va boire ça dans un verre de vin en cristal. Tu vois, en fait, tout ce qu'ils font est plus épique. D'accord. C'est principe Castlevania. C'est Dracula, il avait un château. Ok, moi j'en ai un, mais il vole. D'accord. Ah bon, bah ok, pourquoi pas. Il défie les lois de la physique, il n'y a pas de souci. Leur Dracula à eux, il contrôle tous les démons. Il contrôle la mort. Il a un pacte avec Satan, mais il est au-dessus. C'est basiquement Satan, le type. Je sais pas, tout est complètement craqué en fait. Tout est complètement craqué dans l'absolu. J'ai une bannière que j'avais pas vue. J'aimais beaucoup la manière qu'avaient les Japonais d'interpréter ça parce que, comme d'habitude, les Japs partent en sucette totale, si tu vois ce que je veux dire, et sont complètement over the top, et ça rend les choses complètement, complètement esthétiques. Enfin, je l'ai mal exprimé, mais bon, c'est pas très grave. On a compris. Oui, c'est parce que. Alors, il nous reste deux donjons, et ça n'a rien à voir avec le bonhomme de Honeige. C'est Undercurrents et Arena, donc c'est le 9 et le 11. Pas mal. Seulement deux ? Ouais, que deux. Bon, après, je crois qu'il y a toute une autre partie à enchaîner, avec ouais. Plein de boss et tout, donc on va continuer. Et la question, c'est, où sont-ils ? Oui, bonne question, ça. Je pose d'abord les potions. Donc, on a 16 machins, il nous en fallait 18, le compte est bon. Le compte est bon ! Je vais garder un petit peu les émeraudes, au cas où on ait besoin des constructeurs blocs. Hein. Les gens, ils sont très contents, ils veulent nous voir les utiliser. Je gaspille ça le plus efficacement possible, ou pas du tout, mais aux F, et Powerbow 8, Punch 2, Flame et Infinity. J'ai des flèches en trop, moi j'ai Infinity sur mon arc si tu les veux. Hop là. Et on y va Bob ? Parce qu'il s'est pas passé grand chose, hein, à part le bonhomme de neige qui nous est aggro là. Bah, j'ai un Livre of the Warrior, si tu veux améliorer ton épée. Non, je veux rien de tout ça. Attends, ce cas, je vais peut-être voir à l'aventure, au galop. Au galop. Il signe son nom à la pointe de son. De sa bite. De sa bite. Je voulais pas le dire. Il fallait. C'est dans le contrat. Il veut dire Fanta. Fanta. D'un F qui veut dire ferme les yeux. Alors, moi, je pars un petit peu à l'aventure. Comme ça, on perd pas de temps. Le Lennon se tépera sur moi. Du coup, bizarre cette histoire. Est-ce que tu crois qu'il faut continuer à suivre ? Hop, Jail Who's Key. On a toujours la clé de la prison. Ouais, ouais, et la prison, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça ressemble à une prison, ça. Ah ? J'ai trouvé un truc qui ressemble à une prison. Non, c'est pas une prison. Il y a des spawners et des coffres. Un émeraude, 4 torches et une potion de night. Ok, je continue. Mon exploration. C'est pas la prison. Lui, il me vend quoi ? 6 feet under. Il me vend un bouquin. Qui m'intrigue. Je vais l'acheter. Bien. Qui s'appelle 6 pieds sous terre. Oui, oui. Ça a l'air d'être un livre assez métal. Ah, il a entendu des bruits sous un pumpkin dans le coin, sous une citrouille, et il irait chercher en dessous pour voir. Très bien. En dessous. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas en dessous une citrouille, quelque chose d'intéressant. C'était pas. Ouais, ça devait être la même. Hein. Ça devait être là. Ah. Bizarre ça. Ah les nonnes. Oups. Bien joué. 6 pieds sous terre. Bien joué. Suffisait de creuser tout le cimetière. Oh shit. Ça sent le piège, mais alors le truc énorme. Ah, une échelle. Je sais pas pourquoi. Au cas où, c'est bugué. Ah non, c'est pour essayer de passer. Attention, on va essayer d'éviter les emmerdes. Ouais, c'est mal barré. Non, ça a l'air de bien se passer là. Ouais, ça se passe bien. Bute-les. Voilà, à chaque fois que tu marches, tu vas faire popper des squelettes. Donc, durable chest plate avec épine 3. Je prends, même si je le mets pas. Et puis c'est tout, c'était un petit secret avec un chest strap derrière. Ok, très bien. Il y a un truc derrière. Oh, un deuxième coffre.
Durable Sword. C'est du bien fer. Joué. Hein. Sympa, il fallait avoir l'œil. L'épée durable. Et là, derrière, ouais, avec le bon, levier. Bon, on peut remonter. Ok, bah écoute, c'est tout. Hein. Bon, un petit secret de plus. Hein. Oui, pourquoi pas. C'est mignon, c'est un petit secret mignon. Alors, du coup, on peut pas monter. Alors, attends. Tac. Ah, d'accord, c'est pour monter, ouais, il faut poser l'échelle. Mais il faut virer le fil d'abord. Voilà, pardon. Oh. Voilà. Hop, 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 hop. Très bien, les amis, très bien. Hop, excellent. Toujours plus aventureux. Bien, oh, bah, ça, c'était fait. C'était rapide, c'était efficace. Ensuite. Puff, 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 là-bas je vois un beacon. Mais c'est toujours au bonhomme de neige. Peut-être qu'il faut aller leur parler. Tu crois qu'il faut retourner parler au bonhomme? Ah bah y'a un beacon, pas pété. Hein. Ouais, t'as raison. Oh putain, ma vengeance. Alors, bonne nouvelle, la potion de Moïse que j'ai foutue en l'air, hein, parce que je suis un failer professionnel, plus connu sous le nom de Fail Tezio. Tu peux mettre jeter n'importe quelle potion de splash à l'endroit donné, parce qu'ils avaient anticipé les mecs de Moïse. Le fait qu'on soit débile. Ouais, ouais. Non, très bien. Très bien, pas de soucis. Bon, bah, l'endroit donné, ils sont gentils, mais on ne sait pas où ça se trouve. Mais bon, j'ai une potion de splash. Voilà qui tombe bien. Hop, je monte à l'échelle. Alors, tu crois qu'il faut y retourner? J'espère qu'il ne fallait rien lui ramener. Hein. Parce qu'il y a un accès aussi en dessous, là, en bedrock, là, un truc bizarre. Il n'y a peut-être pas besoin de lui parler à cet abruti. Attends, speak to the bonhomme de neige, voyons voir. I don't give a shit. Ah putain, en plus c'est pas le bonhomme de neige abominable, c'est pas l'abominable bonhomme de neige, c'est l'abdominal bonhomme de neige. Ouais. Ah. Ok, il n'y a plus à lui parler, je pense qu'il faut descendre. Il faut descendre. Alors c'est peut-être à côté, ouais, le rayon. Là. Ah, regarde, à côté, il y a une ruine. Oui, et avec de la bedrock, c'est ce que je te disais. À la base de ce rayon, ouais, bien joué. Hop, là j'y vais comme ça. Même pas trop mal. Alors, hop, et il y a un spawn point. Ok, donc c'est ça, hein, je pense. Ouais, je crois qu'on y est. Comment on va activer ce bordel? Eh ben, on y va. Hop. Alors, undercurrents, help. Mais on n'a pas besoin d'aide. On n'a jamais eu besoin d'aide. Mais si, on en a besoin. Mais non, on n'a pas besoin d'help. On n'a pas besoin d'aide, on va comprendre comment ça fonctionne. Je comprends rien, moi. Oh putain. Alors, water entrance, ok. Il faut mettre de l'eau. Bah, il suffit de mettre de l'eau, oui, voilà. C'est... Et j'ai magnifique seau. J'ai un seau, ouais, aussi. Moi aussi, il s'appelle Poblenon. What? Pourquoi t'appellerais un seau Poblenon? S-O-T. Oui, je sais, mais... Mais non, même, non, tu sais pas. Alors, on y va, c'est ouvert, Bob, je sais pas ce que tu fous. Ah bah, je suis vexé. Elle est bonne. Allez, Amenaou. Viens, mon frère. Oh mon dieu, Bob Lennon est fanta son frère. Non, pas du tout, c'est une expression. Non, non, c'est parce que. C'est parce qu'on est dans la même secte. C'est ça, j'ai un appétit de lion. C'est un lionceau. Oh mon dieu, super. Le Ring of Fire. Moi qui croyais que tu trouvais ma vanne correcte, en fait, non. C'est de la merde. Non. Le Ring of Fire. Aujourd'hui. Eh ben c'est magnifique ici. Par contre, il y a des caddies qui passent à l'infini. Tu crois qu'on peut monter à bord? Ah bah oui, il faut en attraper un. Chacun son tour. Hop, prompt. Ah, bien joué. Je suis parti dans le mauvais sens, j'ai l'impression. Non. J'en voudrais bien un autre. Ah bah c'est le même. Oh mon dieu. Est-ce que tu peux ça dire Ring of Fire? Absolument. Fire non, ça ne mène Ring absolument nulle part. Hein. Alors ici, ça mène quelque part parce que je mets de la lumière. Il y a des échelles. Ça ne mène absolument nulle part, je tiens à le préciser. Ah, je me fais attaquer par un rayon, par cette saloperie de poisson de merde que tout le monde semble connaître et dire « C'est le gardien, moi j'ai trouvé tu connais pas un le autre gardien chemin. Des sorcières !» Un autre chemin. Ring of Fire! Ring of Fire! Un coup de main, en fait, ce serait une idée, il y aurait un conseil. Mais merde! Enderbend potion! Alors attends, parce là, qu'il y a quand même pas énervé. Mal. Il y a des coffres, hein, il y a des coffres. Il va falloir... les trouver et s'arrêter. Et c'est vrai que ça sert un peu à rien, mais c'est rigolo, c'est le Ring of Fire. Hop. J'ai été transformé en Super Saiyan pour l'occasion. Tum, 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 tum. Smite, smite, smite. Instant Elf pour le smite, X et le booze, ok. Ça, le pumpkin, j'en ai pas besoin. Je vais mettre tout ce dont je n'ai pas besoin. Le chestplate, je m'en fous un peu. Je m'en fous aussi de sa boussole. Les prismarines, c'est des souvenirs dont on n'aura plus besoin.
Et Water Entrance, fuck it. Ça aussi, je m'en fous. Alors, attends, limite, je vérifie pour pas me faire insulter. C'est bon. Allez, voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Tu as pas de torche? Si. Ouais, parce qu'il faut venir en poser plein là où je le trouve. Il y a plein de monstres en fait. Tu auras toute l'action, mon pauvre Fantin. Oui. Et non seulement moi, mais l'intégralité des abonnés qui me détestent par ce simple fait que tu viens dénoncer. Par où tu passes là? Par là. Attends. Elle m'agresse pas, je suis plutôt content. Défonce sa face. Voilà donc. Oh, 5 émeraudes et plein de potions. Oui. C'est bon ça, les potions. Prends l'argent. Hop, moi je pose des objets. Là, il y a un chemin, il y a un chemin qui mène nulle part. Du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé, sinon que c'est relativement épique. Si, 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 t'inquiète. Ah, là, il y a un passage, Bob. Hop, oui, je sais, c'est là où j'étais, en fait. Et depuis tout à l'heure, il y a plein de monstres qui pop et qui bastonnent en long, en large, en travers. Donc tout va bien, j'ai pété un despawner, mais il y a encore plein de zombies, est-ce surtout s'ils voient rien. Est-ce que t'as appuyé sur la trappe, là? T'as vu qu'il y avait un bouton? Oui, mais je... Non, en fait, non, j'y vois rien du tout, mon cher Fanta. C'est l'aveuglitude la plus totale. Oh, bien joué! Ah, génial. J'ai servi à quelque chose. Il me fait peur, lui. Meurs! Comme ton grand frère. Hashtag! Putain, il y a ces saloperies de... D'accord, de... effectivement. Non, là. Ouh là là. Il y a un zombard sur une araignée. J'ai lâché ma pioche, sans faire exprès. Donc il y a que toi qui peux casser ça, maintenant. C'est fait! Bien joué. Il y a plus que toi qui peux casser les objets maintenant, donc soit tu me rends la pioche, soit... Bah, tant attends, pis. J'ai ta pioche, mais j'en ai une en plus si tu veux, tiens. Ah, c'est la mienne, c'est oui. C'est celle-là. Ah ouais, merci. J'ai appuyé sur un bouton. Très bien. Ça a ouvert un passage secret. Très bien. C'est la maison d'Harry Potter. C'est Gryffondor. Oh putain. C'est Pouf Souffle. Personne aime Pouf Souffle. Mais Bob, nous on aime bien Pouf Souffle. Jamais. Ah mon dieu. Et mes Pouf Souffle. Pourquoi c'est les gens sont martyrisés en fait? Pourquoi Pouf Souffle ils souffrent? Non, parce que Pouf Souffle ils servent là, ils servent à rien. D'accord. Mais Bob, en vrai ils ne servent pas à rien. C'est J.K. Rowling qui était complètement biaisé dans son style d'écriture et de... Ah bah écoute, hein, jusqu'à preuve du contraire, ce que crée l'auteur à propos d'une série c'est canon. Et là, de manière canon, ils servent à rien. Voilà. J'ouvre le chest. Oh putain, je me suis fait empoisonner. C'était un piège, les vilaines. Elles sont ultra nombreuses. Ouais, je vois ça. Non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont méchantes. Ouh là 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 là. Ils ont pas aimé ce que t'as dit sur Pouce Souffle. Eh ben, je les défonce. Ah, je suis beurré, j'ai tout bu. Ouais, t'as bien fait. Bien joué, les nanes. On va y arriver. Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Oui, ça part attention. Comme ça. On n'est pas mort, et c'est plutôt beau. Ok. Moi, je suis encore full life, moi, les enfants. Ah ouais, non, mais c'est grâce à ces magnifiques potions de smite, là. Battez-vous. Full regen. Excellent. Voilà. Eh ben, on les a défoncés. On les a défoncés, hein, il faut dire comme ce qu'il Elsa. Est. Exactement. Ah bah voilà. Toutes les femmes sont belles. Dans leur cas, c'était surtout en levrette, voilà, faut le dire. Bonus objectif, destroy block. Ah ah ! Un bloc de redstone. Attends, au-dessus. Super, je crois qu'on les aura tous faits. Il m'en semble qu'il en manque un, je ne sais pas. Do it. Tagat. Do it, fake it. C'est fait. C'est fait. Très bien. Tu l'as récupéré ? Ouais, c'est fait. Et là, je pense qu'on a fait un bon petit donjon. Téléport to the dungeon entrance. Non, d'abord, ta-da on prend la Neverstar, la bannière. À moi la bouffe, à moi la bouffe. Et moi l'argent. Ah bah, à toi, en fait, à toi les voilà. Non, il est sympa émeraudes. Ce level 10. Mon arc est level 10. Tu peux prendre l'arc. Prends les émeraudes. C'est bon, t'as tout compris. Ok, très bien. Level 9. Oh putain, effectivement. Tiens, je vais mettre les trucs inutiles là-dedans. Le bouquin. Ça. L'œil. Ça. Les trucs comme ça. Ok. Au cas où le saut ça peut servir. Hop hop hop. Bah dis donc, ça se passe plutôt très bien ça mon petit Bob. Moi je te propose de faire le dernier donjon de ce monde dans le prochain épisode, sachant que ça devrait nous téléporter dans un autre monde. Exactement. Encore j'aimerais plus dangereux. J'aimerais quand même que juste avant, on continue de fouiller un tout petit peu. Ah là, on est à la fin. Je viens de fouiller. Ouais, mais je fouille encore juste 5 secondes. Je suis pas d'accord, je me répète. Afin de vérifier. Mutinerie. Mutinerie.
mutinerie afin de vérifier parce qu'on n'a pas raclé tous les portes de ce donjon. Par là-bas, je suis pas allé. Alors la dernière fois, on m'avait dit que on pouvait mettre une torche et respirer dans l'eau. Et que c'était une astuce qu'effectivement on a oublié de donner aux gens parce que... Marche cette astuce, la torche ne disparaît pas. Si elle disparaît, mais t'as le temps de prendre une petite bouffée. Ah d'accord. Bien. Et donc c'est valide, merci à toi qui nous a donné ce conseil, hein. On est toujours preneur. Un coffre. Tant que tu un nous insultes pas. Ouais. Oui, c'est valide. Un seau de lave, je ne sais pas à quoi il va servir, mais on verra bien. Good. Hop. Good. Hop, je sais pas par où il faut aller du coup. Des petites créatures toutes moches. Par là, mon cher Fanta. Ouais, moi, je vais me téléporter à l'entrance. Voilà. Par là, mon cher Fanta. Je le termine bien. T'as raison, t'as raison. Il y avait encore des trucs à faire. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi j'avais raison. Eh ben écoutez, sur ce, on découvrira la fin de ce donjon en pot-sol sans aucune forme de pitié dans le prochain épisode parce que le Lennon avait raison. Et le Lennon aime quand il a raison, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien avoir raison. Oh, putain. Allez, zou. Allez, bise.